En fait, pour moi, c'est clair, je pense qu'il faut vraiment être fou pour dépendre qu'une seule source de, de revenus à l'heure actuelle. Il voilà, n'y a pas, pas d'erreur, c'est trop dangereux. Et je pense que si tu as l'habitude de suivre mes vidéos, que tu me suis depuis un moment, que tu connais mes contenus, etc., tu le sais. Ne dépendre que de ton salaire pour pouvoir t'en sortir, c'est te mettre volontairement ou non d'ailleurs, dans une situation dangereuse de fragilité. Parce que si demain, tu n'as plus ton salaire, tu n'as plus ton revenu, tu n'as plus ton job, ce qui est possible, hein. voilà, ils ont tellement détricoté le, le droit du travail hein, avec les différentes lois que bah, tu vas te retrouver pendant quelques mois dépendant en fin de compte euh, des aides de, de, de anciennement euh, Pôle Emploi. Hein. Bon, très bien, super, tu vas avoir un peu les, les, les acédiques comme on disait dans le temps, super. Euh, France Travail, voilà, ça s'appelle maintenant. Bon. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer Bah, tu vas être obligé d'accepter de faire euh, tout et n'importe quoi, tu vois, pour réussir à t'en sortir sinon, bah, tu vas avoir rien. Rien, 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 tu vas galérer, tu vas te retrouver vraiment dans une mer de noir, moi je le pense. Et c'est triste à dire, mais c'est la réalité que de plus en plus de personnes sont en train de vivre aujourd'hui avec les, les, les entreprises qui se cassent la figure les unes après les autres, c'est une réalité. Alors que, en fait, si avais d'autres sources de revenus, si avais un petit business sur le côté, ou même deux petits business sur le côté, tu vois, qui travaillaient un peu en mode automatique, ou Allez, c'est jamais complètement automatique, hein. tu sais, l'histoire des revenus passifs, toi et moi, on sait très bien que c'est du flan. Hein. Mais le plus possible, sans avoir à trop faire grand-chose, bah, c'est génial parce que ça pourrait te permettre de récolter un petit peu d'argent tous les mois et un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu. Tu sais, c'est carrément réaliste d'espérer pouvoir gagner plus ou moins 10 000 euros de plus cette année. Euh, sur un an, hein, d'accord, sur 12 mois, 10 000 de plus, tu vois, c'est carrément réaliste. C'est tout à fait, tout à fait réaliste. Je n'ai pas dit que ça allait se faire en un claquement de doigts. j'ai pas dit que ni même tout le monde pouvait le faire. Ce n'est pas pour tout le monde. Bah non, c'est pas pour tout le monde parce que ça va demander de mettre en place des bonnes idées de business qui marchent pour gagner plus d'argent cette année. Tu vois, c'est ça qui n'est pas facile. C'est que de comprendre qu'en en fin de compte, si tu te sens coincé dans ta situation financière actuelle, ce qui est le cas de beaucoup de gens évidemment, et si tu cherches un moyen simple, efficace et qui a fait ses preuves de réussir à diversifier tes sources de revenus, mais sans pour autant devoir quitter ton job, devoir quitter ton emploi, bah c'est possible. En revanche, c'est clair qu'il va falloir être prêt à investir du temps pour construire, pour bâtir une source de revenus complémentaire qui, espérons-le, deviendra peut-être même une source de revenus principale. Et en plus, bah, il va falloir parfois, selon le type d'activité commerciale que tu vas vouloir créer, il va falloir parfois euh, investir de l'argent. C'est clair. Je veux dire, celui qui lance parfois une grosse activité commerciale va parfois avoir besoin de mettre la main au porte-monnaie, c'est sûr. Encore faut-il savoir ce qu'on fait, dans quel cadre on le fait et dans quel objectif. Voilà. Mais n'est pas simple concrètement de se lancer dans un business quand on démarre de zéro. C'est vrai, c'est pas simple parce que tu pourrais te tromper, tu pourrais perdre du temps, beaucoup de temps, et beaucoup de personnes préfèrent ne rien faire plutôt que de risquer de s'investir, d'investir du temps, de l'énergie, etc. Dans quelque chose qui pourrait à terme s'avérer pas efficace. Alors évidemment, parmi ces business, il y a plusieurs sortes de business qu'on peut faire. Les business en ligne, évidemment, activités commerciales en ligne, hein. mais ça pourrait être aussi des activités commerciales physiques, évidemment. Je pense à tout ce qui est du domaine de la location, évidemment, qui est une manière très efficace et qui a fait ses preuves depuis, et très, depuis la nuit des temps, je dirais, de réussir à gagner de l'argent pour peu qu'on ne se plante pas et pour peu qu'on se forme. Ça va de soi. Mais à ton avis, et c'est ça la question que je voudrais te poser, ça va donner quoi dans 10 piges si tu ne changes rien, tu vois, si tu continues dans le même rythme, etc., que, que tu continues dans ton petit train-train quotidien et que tu n'as pas une autre source de revenus que ben ton travail. Et que Ton travail, en fait, si tu veux, quand tu vas faire ton travail euh, salarié, euh, on est dans une logique, sauf si tu es cadre, mais en général, pour les salariés, tu vois, on est dans une logique temps égal argent. Tu échanges ton temps pour de l'argent, pour un job, pour un employeur, qui peut-être te casse les bonbons, tu vois, qui peut-être te rend malheureux. Moi, je connais plein de gens hein, comme ça qui, qui souffrent hein, au travail. Il y en a aussi qui sont très heureux au taf, hein, et tant mieux pour eux, je leur souhaite le meilleur. Mais il y a plein de gens aujourd'hui qui demandent qu'une chose, c'est à se barrer, quoi, tu vois, ou, ou ne pas dépendre uniquement de ce mec-là, quoi, ou de cette fille-là, parce que sinon, au secours, mais tu fais quoi Tu fais quoi tu, tu, vas, tu vas mourir comme ça au travail, c'est pas possible, quoi, tu vois, ou tu vas craquer, tu vas attendre de faire un burn-out Non, faut pas attendre de faire un burn-out faut euh, se bouger la miche et faut tout mettre en œuvre pour avoir plusieurs sources de revenus. Tu sais, c'est l'histoire des petits ruisseaux qui s'additionnent et qui font une grande rivière, etc. Mais si tu ne mets pas en place les actions concrètes, tu vas passer à côté d'occasions de gagner plus d'argent euh, et surtout de diversifier tes sources de revenus. Et pire encore, peut-être que tu as depuis longtemps ce, ce désir de te dire Ah, bah tiens, j'aimerais bien me lancer dans telle ou telle activité, etc. Mais que ben, tu ne l'as pas encore fait. Si tu ne t'y mets pas rapidement, ben, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'un de ces quatre, tu vas te retourner et tu, tu sais ce que tu vas voir là derrière toi Toute la somme des, des, des regrets et des actions que tu n'as pas entreprises pour réussir à gagner de l'argent grâce à ce rêve inavoué ou, ou non assumé. Donc il faut y aller. Franchement, à l'heure actuelle, est-ce que tu crois que c'est encore raisonnable que de ne dépendre que de son salaire moi, je ne crois pas, mais ça n'est que mon avis. Mais il faut arrêter de rêver, en tout cas. Les revenus passifs, ça n'existe euh, que euh, sur YouTube ou les réseaux sociaux, etc. J'appuie sur un bouton et, et j'imprime de, de, de l'argent. Non, moi, je préfère parler de business automatique. Parce qu'on est plus dans une approche, tu sais, euh, Pareto, hein, 80-20. Wilfredi Pareto, c'était un mathématicien qui s'était rendu compte qu'il y avait une espèce de loi naturelle qu'on vérifie dans tout un tas de, de, de phénomènes, la loi des 80-20. On fait une grosse action à un moment donné, okay, et puis on va obtenir des gros résultats, encore plus importants, mais dans le temps. Voilà, c'est un peu, je sais pas, moi, par exemple, t'achètes un bien immobilier pour le mettre en location, c'est compliqué, il faut l'acheter, etc. C'est pas facile, faut pas se tromper, c'est très risqué, surtout aujourd'hui, etc. Et au petit à petit, au fur et à mesure du temps, tu vas gagner de l'argent grâce au loyer que tu vas empocher, qui vont rembourser le crédit, et que à la fin, ça va te faire une rente. Ok, très bien, c'est cool. <laughs> c'est ça, la loi des 80-20. Bah, ça, on peut l'appliquer quasiment toutes les activités commerciales. Et ce qu'il faut, c'est essayer de, de s'engager dans des activités qui soient les plus automatiques comme ça, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut nécessairement un gros capital, beaucoup d'argent, ou même d'avoir des compétences exceptionnelles, d'être vraiment différent, etc., pour créer un business qui soit rentable. Ça n'est pas vrai. Ça fait partie des croyances limitantes, comme on dit, et c'est ce qui t'empêche, ça fait partie des choses qui empêchent beaucoup de personnes de se lancer. C'est pas pour moi, je suis pas capable, j'y arriverai pas. Nanana, nanana. La réalité, elle est différente. La réalité, elle est que le seul moyen de savoir si tu vas réussir, le seul, c'est d'y aller là, tout de suite, maintenant, pas demain, ni après-demain. Et de comprendre que si tu t'as pas encore réussi à trouver dans quel business te lancer, si tu t'as pas réussi à trouver ce qui peut coller par rapport à ton profil et ta situation ça n'est pas de ta faute, j'insiste, ça n'est pas de ta faute et tu n'es pas seul. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans la même situation. Donc il ne faut pas désespérer. C'est vraiment le message fort que je souhaite te faire passer dans cette vidéo. C'est de comprendre qu'il y a des vraies solutions qui marchent et qui ont fait leur preuve depuis longtemps pour justement t'aider et réussir à trouver quel business peut coller par rapport à toi, à qui tu es. Mais encore faut-il en avoir un aperçu. Ce qu'il faut réellement, c'est une formation peut-être ou quelque chose qui va mais quelque chose de pratique vraiment et qui soit suffisamment détaillé pour aborder, pour explorer différentes idées, différentes idées de business, des business qui seront adaptées à ta situation personnelle, à tes compétences, à ton savoir-faire, même si tu as zéro compétence, zéro passion, zéro aspiration, c'est possible et c'est facile. Une formation qui te montre concrètement comment démarrer, étape par étape, et c'est précisément la raison pour laquelle j'ai créé... Business 31. C'est un programme de formation dans lequel je te présente 31 idées de business, d'activités commerciales, appelle ça comme tu veux, pour gagner de l'argent, pour avoir d'autres sources de revenus que ton salaire, tout simplement. Et attention, encore mieux, jusqu'au 8 septembre, à l'occasion du lancement de cette formation, eh bien, je t'offre une réduction de 200 euros. Ça représente 50% de réduction sur le prix de cette formation. C'est jusqu'au 8 septembre seulement, donc profites-en et n'attends pas si tu veux en profiter. Cette formation, elle est particulière parce qu'elle fait suite à deux formations très importantes que j'avais déjà lancées et qui ont rencontré un, plutôt un beau succès. La première, c'était Finance 21. Finance 21, c'était une formation dans laquelle il y avait euh, pendant trois semaines, 21 jours, tu recevais une vidéo chaque jour pour t'aider à reprendre le contrôle de tes finances. Ensuite, j'ai lancé Invest 31, 31 idées d'investissement pour placer ton argent. Et récolter, le faire travailler à ta place, récolter des, des petits, tu vois, des, des intérêts. Investissement qui dit investissement dit prise de risque. Donc, il était logique qu'elles vienne après Finance 21, dont le but était de remettre tout d'équerre et d'avoir des comptes bancaires au propre, sans dette, etc., etc. Donc, Invest 31, la seconde prise de risque avec potentiel de gain énorme, hein. et la troisième, très très logiquement, évidemment, Business 31, créer une activité commerciale pour diversifier ses sources de revenus et ne pas dépendre que de son salaire. C'est exactement l'objet de cette formation. Chaque jour pendant un mois, 31 vidéos, même un peu plus parce que tu me connais, euh, monsieur plus, faut que j'en mette plus, tu vois, voilà. Mais tu reçois tous les jours une vidéo avec une idée de d'activité commerciale, de business que tu vas pouvoir lancer pour gagner de l'argent. J'ai pas cherché à faire que des trucs, tu vois, entre guillemets passifs, etc. Il y en a qui sont plutôt automatiques, d'autres moins automatiques, mais tous, toutes ces idées sont des idées qui vont te permettre de gagner de l'argent et qui marchent et qui vont continuer à marcher, j'insiste, dans les temps qui viennent. Il suffit pas, moi je suis pas dans une logique où on fait un, un one-shot comme ça et ah, vite prendre de l'argent. Non, non. On fait des choses simples, efficaces, qu'on construit dans le temps pour bah, essayer de durer justement dans le temps et d'exister longtemps. C'est ça vraiment l'objectif. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette formation. Chaque jour, une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon. Avec un exercice, une mise en application, tu connais peut-être mes formations, tu retrouves en dessous un article, une fiche résumée, etc. Donc tu n'as même pas besoin de prendre de notes, je t'explique tout. Avec cette formation, au bout de trois jours, tu seras déjà capable de lancer une première activité, un premier business complémentaire. Tu vas avoir une bonne compréhension des différentes étapes à suivre. Et puis tu vas avoir un plan d'action complet avec la liste de toutes les choses qu'il va falloir faire pour pouvoir commencer à te lancer. Au bout de 6 mois à un an, tu vois, on se laisse un peu de temps, tu vas pouvoir générer 500 à 2000 euros de revenus mensuels complémentaires à ton salaire. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de lâcher ton job pour pouvoir avoir ça. Hein. Il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Mais ça, ça va dépendre aussi du type de business choisi et évidemment aussi, tu t'en doutes, du niveau d'implication. Si tu fais ça juste en dilettante, ça va pas marcher. Il va falloir. Et il consacrait un peu de temps, évidemment. Et c'est vraiment important de comprendre que ces résultats-là ne peuvent pas être garantis pour tout le monde, évidemment. Il faut être réaliste. Il faut comprendre aussi que ce succès, il dépend de, de nombreux facteurs, vraiment. Ça va dépendre de ta situation personnelle, effectivement, mais aussi du temps que tu vas pouvoir investir, de tes compétences préexistantes. Si tu ne sais pas te servir d'un ordinateur et que tu veux te lancer sur le web, ça va être un petit peu compliqué, tu vois. Et puis, ça va dépendre aussi de ta capacité à persévérer face.. Aux différents défis, il y a un truc que j'aime à répéter parfois, c'est que le secret du succès, c'est d'être résistant à l'échec, évidemment. Et de réitérer. Mais en plus, bah, il va falloir y consacrer au moins une heure par jour, c'est clair, pour appliquer les différentes leçons et vraiment progresser, pousser sur le truc. Et puis, il faut aussi être prêt à se fixer des, des, des objectifs réalistes. Hein. Si tu veux devenir millionnaire d'ici deux ans, peut-être pas impossible, je te le souhaite. Mais bon, voilà, faut être raisonnable. Rêver, c'est bien. Agir, c'est mieux. Alors, tu te demandes peut-être concrètement de quoi ça parle, ces trentaines de leçons. Alors, accroche-toi bien, je vais t'expliquer. Dans la première leçon, le premier jour, comment transformer ton espace inutilisé en machine à cash pour à peu près euh, 5000 euros. Tu vas voir, il y a plein d'idées qui sont hyper originales qu'on va aborder. Des, ouais, un truc vraiment original auquel tu n'as peut-être pas encore pensé. Jour 2, comment gagner de l'argent en dormant. Ça marche encore mieux quand on dort, tu vois. Alors, ça demande un petit peu d'investissement, voilà. Jour 3, transformer le plaisir des enfants en profit éthique pour moins de 1000 euros. Ça va te coûter moins de 1000 euros d'investissement. Tu vois, j'ai essayé de trouver, en fonction des différents types de business, le coût d'investissement de base. Euh, jour 4, une méthode infaillible pour monétiser tes connaissances sans effort. Ça coûte 0 euros. Jour 5, gagner de l'argent en partageant ton savoir. Pareil, aucun investissement. Jour 6, la clé pour transformer tes expériences en revenus récurrents. Pareil, 0 euros. Jour 7, on va voir que tu peux aussi gagner de l'argent avec ton véhicule. Jour 8, comment gagner très simplement de l'argent avec ton ordinateur. Ça va demander un investissement de moins de 50 euros. Voilà. Jour 9, transformer tes vidéos en revenus. C'est super facile. Euh, jour 10, la meilleure des plateformes pour vendre tes créations sans quitter ton canapé. Oui, monsieur, oui, madame, c'est possible et je te montre comment. Jour 11, crée un flux de revenus automatique pour moins de 500 euros. Jour 12, tu vas, je vais t'expliquer comment gagner entre 30 et 3000 euros, tu vois, donc fourchette large, en aidant les autres à se démarquer en ligne. Jour 13, l'investissement qui peut te rapporter gros. Attention, mise de départ importante, potentiellement plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc euh, c'est du sérieux, c'est peut-être pas un truc pour les débutants. Jour 14, ma méthode pour louer n'importe quoi. Moi, j'ai gagné beaucoup, beaucoup d'argent grâce à la location. Continue à en gagner, mais voilà, il y a une méthode qui marche et qui est radicale et qui, qui va te permettre de tout, de, de tout monétiser. Voilà. Jour 15, euh, tu vas apprendre comment remplir ton portefeuille en parlant avec les gens. Gagner de l'argent en parlant, c'est possible. Jour 15, on voit ça. Jour 16, euh, comment transformer ta ville en source de revenus inépuisables dans ta ville. Oui, tu vas voir. Jour 17, comment utiliser l'IA pour booster ta créativité, mais surtout pour vendre en mode automatique. Jour 18, comment gagner de l'argent avec des dessins, eux-mêmes faits par l'IA. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Le coût d'investissement, moins de 20 euros. Jour 19, maîtriser l'art de l'arbitrage pour faire des profits rapides et éthiques. Jour 20, monétiser tout ce que tu aimes déjà faire. Jour 21, gagner de l'argent sans stock, ni investissement massif. Mais e-commerce. Jour 22, méthode infaillible pour vendre du contenu digital à très, très fort potentiel. Jour 23, exploiter l'IA pour créer une activité lucrative chez toi, avant ce soir. Jour 24, gagner de l'argent en t'amusant devant les caméras. Eh ouais, mais pas comme je suis en train de le faire, devant les vraies, vraies caméras, tu vas voir, c'est possible. Moi, c'est un truc que j'ai fait, tu vois. Jour 25, maximiser tes revenus en freelance avec l'IA. Jour 26, les étapes cruciales pour réussir sur Amazon. Jour 27, comment gagner des milliers d'euros avec l'immobilier sans même acheter un seul bien immobilier Et eh ouais, et c'est pas la sous-location que je suis en train de parler, tu vas voir, c'est autre chose. Jour 28, comment générer de revenus avec la location saisonnière, encore là aussi, mais sans acheter d'appartement Ouais, en saisonnier, ouais, ouais, tu vas voir. Jour 29, créer un business florissant en aidant les autres au quotidien. Jour 30, maîtriser l'art de la publicité en ligne. Jour 31, gagner de l'argent avec les petits business locaux et les business qui sont... qui sont pas sexy. les petits business qu'il y a plein de gens, ils veulent pas faire. Et pourtant, il y a plein, plein, plein d'argent à gagner avec ça. Voilà. En plus, bah, tu as un bilan de la formation. En plus, tu as toutes les fiches résumées. En plus, je t'ai rajouté plein, plein, plein de trucs, un plan d'action complet, etc. Donc, moi, je te conseille de ne pas attendre si tu veux commencer. Euh, parce que, bah, je te dis, ça va te permettre d'avoir les clés. Pour avoir une autre source de revenus. Voilà. Toutes ces idées de business ne vont peut-être pas coller à ton profil. Mais je ne peux pas croire qu'il n'y en ait pas une qui corresponde à toi pour justement t'aider à avoir plus d'argent et moins dépendre uniquement de ton salaire comme unique source de revenus. Alors, si tu ne me connais pas, je me, je me présente quand même rapidement. Moi, je m'appelle Jérémy euh, et j'aide les gens comme toi à sécuriser leur situation financière pour avoir plus de liberté parce que je crois profondément, fermement, que l'argent, c'est la liberté. Je ne peux pas le dire plus simplement, argent égale liberté. Celui qui n'a pas compris ça, il se fourre le doigt dans l'œil, mais alors jusqu'à très loin. Comment cette formation, elle se présente, c'est très simple. C'est une formation dans laquelle tu as des vidéos que j'ai créées. J'écris directement sur l'écran de ma tablette et je parle en même temps. Donc c'est une, une formation où je filme mon, ma tablette directement. Donc en fait, c'est comme si j'étais à côté de toi. Et je te fais des, des, des dessins. C'est comme si on était à la fin d'un repas, tu vois, et que j'écrivais sur la nappe, que je te faisais des petits schémas, etc. Tu vas voir, c'est très ludique. Des fois, je partage aussi l'écran de mon ordinateur quand j'ai des, des sites spécifiques à te montrer. Mais tu vas voir, c'est vraiment intéressant ce format et je fais toutes mes formations sur ce format-là depuis des années et ça marche très bien. C'est une formation qui n'est donc pas en direct, effectivement. Et à la fin de chaque chapitre, tu as un exercice ou un appel à action pour mettre en application ce qu'on vient de voir dans la leçon. Et en plus, tu as des fiches résumées, donc tu n'as pas besoin de prendre de notes. J'ai résumé chaque chapitre de, ch de, de, de cette formation. Combien de temps tu as accès à cette formation Tu as accès à cette formation à vie. Ça veut dire que si demain je change de plateforme, si demain, euh, euh, etc., tu pourras toujours y avoir accès à vie, même dans 5 ans, même dans 10 ans. À vie, ça veut dire à vie. À qui s'adresse cette formation Cette formation Business 31 s'adresse pour toutes les personnes qui veulent développer des nouvelles sources de revenus pour être moins dépendantes uniquement d'un seul salaire, d'un seul job, etc. Et ça marche à la fois pour un public débutant, mais aussi pour des personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et qui sont déjà plus expérimentées. L'idée, c'est que tu sois en capacité de commencer à lancer quelque chose au bout de deux, trois jours, très très vite, pour commencer à rentrer un petit peu d'argent et qu'ensuite tu puisses réussir à mieux construire sur le long terme. Tu vas peut-être te demander si tu as besoin d'avoir un gros capital pour démarrer. La réponse, c'est non. Enfin, ce serait plutôt, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse, mais pourtant, c'est la réalité, c'est qu'il y a certains business qui ne demandent pas à mettre d'argent. Il y a certains business qui demandent à investir un peu plus, voire beaucoup plus. Ça dépend de ce qu'on veut faire et du coup, il faut comprendre que tout n'est peut-être pas adapté pour tout le monde. Mais le truc, c'est de comprendre, d'avoir un éventail du choix des possibles pour voir ce que tu vas pouvoir faire pour avancer et justement gagner de l'argent différemment. Mais c'est vraiment, je, enfin, c'est impossible sur tout ce que je te montre qu'il n'y ait pas au moins une chose qui te permette d'avoir plus d'argent avant la fin de l'année. C'est impossible. Euh, cette formation, il faut savoir qu'il va falloir y consacrer du temps. Je recommande une heure par jour, mais si, enfin, en vrai, si tu t'as pas au moins 5 heures par semaine à y consacrer, je vois, ça, va, ça va me sembler compliqué. Quoi. Voilà, je, te, je te le dis, c'est pas juste un truc qu'il faut suivre comme ça. Il va falloir y aussi travailler, chercher, pousser, aller plus loin et suivre les appels à action et les demandes de mise en application des différents chapitres. Il faut savoir aussi que je te lâche pas comme ça tout seul dans la pampa. C'est-à-dire qu'on garde contact, notamment via Telegram. Il y a mon groupe privé qui est réservé uniquement avec mes clients à ma communauté. Donc, tu peux poser tes questions. Tu peux me contacter en privé. Je me ferai un plaisir de, de t'accompagner et de te répondre. Il faut savoir aussi que cette formation, elle est conçue pour être accessible aux débutants. J'insiste, il faut le savoir. Chaque business est expliqué étape par étape, décortiqué, pour que tu aies une meilleure compréhension de tout ce que tu vas pouvoir faire pour réussir. Voilà. Donc voilà, c'est simple, c'est pratique, c'est facile, ça s'appelle le Business 31, 31 idées de business à lancer pour avoir plus d'argent cette année. Voilà. Et chaque jour, tu reçois une vidéo avec une nouvelle idée pour diversifier tes revenus cette année. Tu, ça, ça va t'aider vraiment à, à avoir plus d'argent, à transformer ta vie financière. L'idée, c'est vraiment de commencer à exploiter des niches lucratives. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu peux commencer. Je te rappelle que si tu veux profiter de cette formation avec une réduction de 50%, eh bien, tu peux en profiter à l'occasion du lancement jusqu'au 8 septembre seulement. N'attends pas, il te suffit pour en profiter de t'inscrire avec le premier lien en description de cette vidéo. Voilà, c'était Jérémy. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci et salut chez toi.